Stéphane Delpera Vincent, maire de Saint-Médard-en-Jalles, vice-président de Bordeaux Métropole en charge de l'économie et de l'emploi. Bordeaux Métropole fait partie des grandes villes de la filière spatiale aéronautique défense en France. Nous tient à cœur évidemment de défendre ces entreprises qui sont parmi les plus belles de France. Je pense à Thales, à Safran, à Ariane Group, Dassault et bien d'autres. Et c'est pour l'activité économique de la métropole une filière extrêmement importante. Et donc il nous a paru tout à fait naturel de valoriser ce secteur d'activité et puis de traiter les débats qui sont devant nous, notamment environnementaux. Il y a une transition à opérer, c'est important qu'on en discute avec les industriels. Les industriels sont déjà engagés depuis longtemps dans la décarbonation en fait, de la filière, que ce soit sur les matériaux qui permettent de diminuer le poids des avions, les biocarburants, demain l'hydrogène, aussi la réflexion sur les phases d'atterrissage, de décollage, qui sont les phases les plus consommatrices. Donc il y a toute une ébullition, puisque la filière sait très bien qu'elle ne peut pas continuer à croître avec le même niveau d'émissions. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'initiatives sont prises. Alors, à la fois pour les entreprises elles-mêmes, on travaille sur un réseau de chaleur avec eux, par exemple, pour remplacer leur énergie actuelle par des énergies renouvelables. Mais chacun dans sa filière travaille. Je pense à Safran qui vient d'ouvrir un centre d'innovation 3D pour des matériaux plus légers pour l'aviation. Voilà, donc c'est une filière en mouvement vers la transition.